Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur Snow pour la suite. D'où on en est resté, donc on a pas mal de travail aujourd'hui. Alors faut déjà qu'on arrive à en faire au moins un petit peu, hein, on verra après. Comme d'habitude, je me connais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tâcher d'aller chercher le consommable qui est pas très loin du garage déjà. On va déjà le ramener par ici. Et après, après on verra. Je pense qu'il faut que j'aille chercher un conteneur de fret. Si je dis pas de conneries, vers l'entrepôt. Et du coup, il faudra livrer un au camp de pêcheur, l'autre au camp d'explorateur, et le dernier, donc le conteneur de fret au chalet de chasse d'hiver. Mais il me semble, alors je vais regarder, je vais déjà aller le chercher et le redescendre vers le garage, mais il me semble que je livre les trois trucs pas très loin l'un de l'autre, il me semble. Donc l'idée, ce serait de récupérer le consommable de suite, leur descendre au garage, aller chercher le conteneur de fret, recharger le consommable et partir livrer, puisque la cabane n'est pas très loin. Mais alors la cabane est dans un endroit, mon dieu, ça va pas être très pratique. Ok, donc on a déjà le consommable qui est devant nous, alors du coup j'ai dû faire quelques tests aujourd'hui avant de lancer la vidéo, puisque hier personne m'a rien dit, mais pourtant moi je l'ai entendu parce que j'ai revu la vidéo. Le micro grésillait, c'était un truc de ouf sur la vidéo de qu'est-ce que j'ai tourné hier, putain con, qu'est-ce que j'ai tourné hier, je ne me rappelle plus. Du Bakery. Personne m'a rien dit, mais le micro grésillé, et en fait j'ai la réponse à la question. Il s'agit de ma petite fille qui joue avec le micro, et du coup elle me dérègle tout, elle me bouge la prise, c'est une catastrophe, hein. Ce micro est trop bien, c'est un Blue Yeti que j'ai, je trouve trop bien, mais la prise qui arrive au micro, c'est infâme, hein. Elle bouge un petit peu, ça y est, le micro grésille ou le micro part en couille et tout le bordel, et c'est insupportable. Mais bon, après c'est comme ça, mais sinon ce micro il est trop bien, je trouve. Mais bon, voilà. Il y a toujours sur du matériel que taille, il y a toujours des qualités, des défauts, comme on dit. On va essayer de redescendre en marche arrière, on verra bien. Donc on va aller poser ce tranquillement. Et après on verra, je vais regarder la map où il faut que je livre, les endroits qu'il faut que je livre, mais à mon avis il faut que j'aille chercher le conteneur de fret avant toute chose. Et on verra bien. Du coup, en ce dimanche plutôt radieux, ce qui fait beau, c'est à peu près ce qu'on avait dit la semaine dernière quand il pleuvait. Bah, tu me diras, ça fait un mois qu'il pleut, mais voilà. Mais c'est à peu près ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est-à-dire que il pleut, ça dure un mois, il fait beau, ça va durer je sais pas combien de temps. Alors, oui et non, parce que si la météo que je regarde ne se trompe pas, enfin la météo que je regarde, la météo de mon PC, parce que depuis la mage Windows, ils nous ont collé une météo, pourquoi j'en sais rien. Et voilà, normalement il devrait pleuvoir à partir de mercredi. Ce qui pourrait être cool parce que finalement, ta gueule le chat, finalement... Ça ferait un peu comme vous savez auparavant, c'est-à-dire 5-6 jours de beau et 2-3 jours de pluie, ce qui pourrait être cool. Donc la cabane, qui est ici, je la livre au camp des pêcheurs. Le conteneur de fret, que je peux trouver soit là, ou je pense soit ici. Mon cul. Alors attendez, il y a un truc que je pourrais trouver. Ah bah du consommable. Ok, là. C'est pareil. Ah non, conteneur de fret, je peux en avoir à l'infini, donc c'est plutôt cool, je vais pas aller chercher l'autre là-bas. Le conteneur de fret qu'il faudrait ramener au chalet ici, et la cabane là, le consommable là, et le conteneur de fret. Ok, je vais aller chercher un conteneur de fret à l'entrepôt, je pense que j'aurai bien meilleur temps. Plutôt que de casser les pieds à aller chercher celui qui est là au-dessus, en plus on en a... Je crois en illimité, donc c'est plutôt sympa. Est-ce que je peux mettre un conteneur de fret? Ça prend combien de place? Attendez.
Parce que ça sert à rien que je me prenne avec une remorque. Ça prend deux places, je crois, le conteneur de fret. Est-ce que je peux mettre... Non, je peux pas mettre la grue. Ok, je vais essayer de partir comme ça. On verra bien, mon dieu, j'ai peur. Le conteneur de fret doit prendre deux places, si je dis pas de conneries. Hein. J'espère, parce que autrement, j'ai fait de la merde. Mais bon, on verra bien, c'est pas grave. Oui, ça doit être ça. Je crois que ça doit prendre deux places. Ok, donc on va aller en chercher un. Tranquillement, j'aurais pu prendre le raccourci. Je l'ai pas pris comme un con. Tant pis. On va aller en chercher un à l'usine. À l'entrepôt. Et on reviendra. On recharge. Enfin, je rechange mon bordel sur mon camion. On recharge. Et après, on se tire là-bas. Il faudra que je récupère la cabane, mais ça, on verra après. It's not a problem. Ah, j'aurais pu passer là directement comme un brin de zinc quelconque, tant pis. C'est pas grave. Parce qu'à présent, ça s'est plutôt pas trop mal passé, donc voilà. Du coup, oui, par rapport au temps, pour faire un dernier point par rapport au temps. Donc logiquement, il devrait y avoir de la pluie mercredi, jeudi, vendredi, si je dis pas de conneries, si la météo ne se trompe pas. Donc ça reviendrait un peu, vous savez, comme avant, où il y avait 5-6 jours de beau et 3-4 jours de pluie. Ce qui est plutôt sympa comme ça. C'est un truc qui marche parce que. Là, il va faire beau tous les jours. Il va faire 26 à l'ombre mardi. Hein. Donc, c'est déjà des températures que je n'apprécie guère. Alors, je sais, vous allez me dire, jamais content. Mais moi, je préfère la pluie. Je préfère aller aux alentours de 20, 25 degrés, pas plus. Ça me va très bien. Et là, il va déjà faire 26 à l'ombre. Si la météo dit pas de merde. Donc, c'est déjà des températures que je n'aime point. Olé, Roger Ao. Que je n'aime point. Mais bon, on va faire avec, hein, c'est comme ça, et puis voilà. Ok, alors normalement c'est ici qu'on remonte. Alors j'ai la possibilité de remonter plus loin. Je crois que ça peine plus casse-gueule. On va essayer de remonter par là. Ce sera déjà pas trop mal. Et donc du coup voilà, pour moi le point IRL des jours à venir, c'est... Alors finalement on s'est décidé quand même à semer du maïs. Enfin, le régras, on l'a fait récolter il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà. On hésitait, puis finalement on va en semer quoi, donc on a fini d'épandre le fumier hier. Mon père est en train de labourer aujourd'hui. Je vais passer l'herse demain pendant qu'il met un peu de durée, je crois. Et après on sèmera tranquillement. J'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets 2 hectares. Hein. C'est vraiment en fait, j'en mets, c'est surtout histoire d'aller rechercher du grain quand on aura récolté pour faire de la farine avec. C'est pas du tout pour revendre parce que le maïs c'est quand même une plante qui vaut cher aujourd'hui. Et en regardant, en faisant des estimations comme ça entre nous avec mon père, il rapporte beaucoup plus pour nous en le mettant dans la gueule des vaches. Parce qu'on a un moulin à farine donc on fait comme on veut. Il rapporte beaucoup plus en le mettant dans la gueule des vaches qu'en le vendant. Alors ça dépend parce qu'actuellement il est. C'était ça. Actuellement il est à 193 euros tonnes, je crois, si je dis pas de conneries. Il était à 200 il n'y a pas longtemps, donc là il valait à peu près le coup. Le truc c'est que ça dure pas très longtemps et vous pouvez être sûr qu'au moment, on va pas dire l'été, mais si, ce qui va être d'été ou au moment de la récolte, il va descendre à 120 euros tonnes. J'ai l'habitude avec eux, hein, je sais comment que ça se passe. Et donc du coup on trouve, il est mieux valorisé en le mettant dans la gueule des vaches, donc on va en mettre 2 hectares comme ça. Si toutefois le temps va pas ou le fait qu'on le sème trop tard, parce que là on le sème trop tard comparé à d'habitude, mais j'ai pas pu avant, hein, bien sûr. Ce qu'on fera, c'est qu'on le vendra tout simplement, et puis on achètera 2 bennes de grains, et puis voilà, c'est pas grave. Mais voilà, donc on va s'occuper tranquillement de ça ces prochains jours. Tout le monde fauche, c'est assez terrible, tout le monde fauche autour de chez nous. Et après, ils viendront faire moins, qu'il n'y a pas de foin, il n'y a pas beaucoup de stock. Il faut peut-être y laisser le temps de pousser parce que certes la pluie a fait du bien, mais il n'y a pas de fond, il n'y a que les bûches comme on dit. Alors pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. En fait vous savez les grandes tiges d'herbe, hein, tout simplement, c'est ce qu'on appelle les bûches. Et le fond en fait c'est ce qui... Bah, c'est de l'herbe plus petite, mais c'est la densité de l'herbe qui est plus petite que les bûches. Et du coup, en fait, il y a des bûches, il n'y a pas de fond. Alors, on va chercher à comprendre pourquoi. Pourtant, on a mis de l'engrais, on a mis du fumier, on a mis du lisier, enfin voilà. Mais il n'y a pas de fond. Donc, nous, on préfère attendre, comme d'habitude. Vous savez, je vous le dis chaque année que chez moi, on fait
pas comme les autres. Encore une fois, la preuve, hein, tout le monde fauche, pas nous. Parce qu'on va le laisser monter quand même, on le laisser avoir du fond. Et j'aime autant faire les foins au 15 juin plutôt que de. Enfin, faire les foins au 15 juin qui soient peut-être, allez, on va pas dire à peine moins bons, mais qu'il apporte peut-être à peine moins de matière nutritive. Plutôt que de le faire fin mai, tout début juin, et qu'il y en ait moins. Certes, il est meilleur, mais il y en a moins, et donc du coup, ce qui veut dire que si toutefois le reste de l'année ne va pas trop, on va dire, j'aime autant avoir du stock plutôt que d'avoir du foin de qualité exceptionnelle. Après, nous, on fonctionne comme ça, c'est surtout pour en avoir assez. Parce que si tu n'en as pas assez, tu es dans la med. Dans la med, tu es dans la med. Donc voilà, nous, on fonctionne comme ça chez moi. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, j'ai envie de dire, mais. Mais voilà, donc je suis pas trop pressé de faucher. Hop. Il me faut une grue, please. Voilà, celui-là, il n'y a pas ce que je veux. Mets-moi une grue. Ah, une petite, ça sert à rien d'en avoir une énorme. Ah, la jaune, ça fait longtemps que je l'ai pas pris, la jaune. Ça fait belle lurite. Et donc, du coup, voilà, j'aime autant fonctionner comme ça. Après, une nouvelle fois, chacun ses goûts et ses couleurs. Mais voilà. Ok, alors. Voilà, il est déchargé. Ah, j'avais pas prévu de le décharger comme ça à la base. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu. Mais voilà, vous voyez direct, il fait beau. Il va faire 3-4 jours de beau. Il va faire 26 à l'ombre. Et c'est ce qu'on avait dit. Il va commencer à faire chaud. Et les gens, ils me font rigoler. Alors, je discutais avec la boulangère vendredi. Qu'est-ce que je faisais vendredi? J'étais en train de trafic après les pendeurs, je crois. Je lui dis, tu vois, c'est ce qu'on avait dit. Il a fait mauvais pendant un mois. Là, il fait beau pendant 2 jours. Il fait déjà chaud. Elle me dit, ce matin, je faisais ma tournée. Et t'as des gens qui disaient, t'arrêtais pas de dire... Ouais, que j'en entende pas dire qu'il fait trop chaud, machin, bidule. Parce que je vais l'envoyer chier, en fait. Je sais même pas si c'est des vieux ou des jeunes qui disaient ça, mais enfin, peu importe. Et elle me disait, voilà, il y en a toujours un qui te dit... ce matin, j'ai entendu pas mal de fois des gens dire... que j'en entende pas un qui dise il fait trop chaud, bidule et tout. Parce qu'avec le mois de pluie qu'on a eu, ça a cassé les couilles. Bah, j'ai dit si, je suis désolé. Moi, le premier, je vais le dire, il va faire trop chaud. C'est sûr. Après, comme je préfère l'hiver, je suis plus un adepte de l'hiver que de l'été. C'est mes goûts, mais voilà, c'est. Je suis désolé, il va faire 4-5 jours de beau, il va faire une chaleur à crever. Mais bon, c'est mon truc à moi. Je préfère les temps plus frais. Mais c'est aussi pour le. Ah, certes, je préfère les temps plus frais, mais c'est aussi le fait que je sais comment que ça se passe maintenant. Et quand il fait beau, il fait vite chaud. Et quand il fait beau un mois, bah, ça sèche vite. Ça sèche vite. Et après, c'est dur comme du chien, plus rien qui pousse, et puis voilà quoi. Enfin bref, je vous refais pas le truc, hein, vous avez l'habitude. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le consommable de suite. Et on va le charger tranquillement. Et donc, du coup, on va tâcher de livrer comme on pourra. Parce que je sais pas ce que je vais livrer en premier. La cabane, je sais plus combien elle prend de place. Donc, on va s'organiser. It's not a problem. Alors, je vais regarder souvent mon deuxième écran durant les prochaines vidéos. Très régulièrement, d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il se trouve que, voilà, je vous en ai parlé, c'est pas maintenant, comme je l'ai dit. C'est pas maintenant, parce qu'on a pas mal de... encore pas mal de jeux, hein. Je pense que ça se dégagera un petit peu quand on aura fini, je dirais, Assassin's Creed. Parce que... Alors, pour tout vous dire, je suis pas pressé de le finir. Très loin de là, parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément.
Et quand j'arrive au bout d'un jeu que j'apprécie énormément, ça me fait toujours mal au ventre de le quitter. Voilà. De le quitter, de le quitter. Mais après, on a plein d'autres jeux, hein, bien sûr, je dis ça, mais voilà. Une fois qu'on aura fini, on va dire, le gros morceau Assassin's Creed et celui-ci, une fois qu'on aura fini l'histoire principale, ce qui n'est pas pour tout de suite, je pense, parce qu'il y en a encore pour un petit moment. Je vais, comme j'ai dit, une fois qu'on aura un peu plus de temps, je vais essayer, peut-être, hein, je dis bien, de faire un peu de GTA RP. Peut-être. Mais pour ça, je veux un serveur correct, parce que j'en ai déjà testé quelques-uns en ligne, et il se trouve que les serveurs où il n'y a pas de waitlist, donc les serveurs free access où tu peux aller comme tout le monde, c'est des serveurs comment dire, beaucoup moins organisés que les serveurs waitlist, premièrement. Et alors c'est pas du n'importe quoi, parce que jusqu'à présent personne m'a fait chier. Mais voilà, je les trouve beaucoup moins organisés. J'essaie de rejoindre un serveur actuellement d'un streamer qui a décollé grâce à RPZ. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une waitlist. La waitlist, elle est de 460 personnes, sauf que la waitlist, elle ne dépend pas. En fait, il se libère des places tous les jours, ou tous les 2 jours. Et il y a une place qui se libère, il y a peut-être 50-60 personnes qui tapent waitlist comme des gros bœufs. Et en fait, pour leur rejoindre, c'est pas facile. Du coup, voilà. Pas le top. On va livrer peut-être à la zone au camp explorateur déjà. Je peux peut-être passer par là parce que le chemin est pas trop mauvais. Enfin, ça dépend des endroits. On va déjà livrer, on finira par la cabane, puisque la cabane on l'emmène au camp de pêcheurs. Donc faut qu'on livre au chalet. On va déjà commencer par le camp d'exploration. L'explorateur, pardon. Où il faut livrer le consommable, le chalet de chasse d'hiver, où il faut livrer le conteneur de fret. Et on terminera par là. Bref, tout ça pour en finir avec mon histoire. C'est ça le problème quand t'as un serveur qui est bien organisé. Alors je le vois puisque je regarde le streamer assez régulièrement. C'est son serve très bien organisé. Une grosse équipe qui s'occupe du serve, qui apporte des nouveautés, du bordel, des corrections tous les jours. Et c'est ça le problème quand t'as un serveur qui est correct. Il est en règle générale victime de son succès. Et le fait qu'il soit victime de son succès, bah c'est un peu compliqué de le rejoindre. Et du coup, je re-zieute un peu la liste. Donc c'est pour ça que je regarde mon deuxième écran assez régulièrement. Le truc d'aller sur un free access, c'est que j'ai peur, premièrement, qu'il y ait beaucoup de gamins. Si par malchance, on va dire, on se fait rejeter quand on est dessus, et on se fait pas streamac, mais voilà, vous connaissez la chose, hein, des petits jeunes qui veulent passer à la télévision, même si c'est devant 10 viewers. On va dire me casser les couilles copieusement. Et donc du coup je sais pas trop comment faire. Donc j'essaie d'avoir une place sur ce fameux serve. C'est compliqué. Très compliqué. J'ai vu que JD tournait pas mal sur. Enfin tournait. En vidéo ni en live, mais j'ai vu que JD était sur GTA en ce moment. Je sais pas si c'est pour faire du RP ou si c'est pour faire du jeu classique. Quand j'aurai un peu plus de temps, s'il est toujours dessus, j'y poserai la question de s'il est parti sur un serveur RP. Et je verrai peut-être avec lui. On verra. Il faudrait me laisser avancer, par contre, ça m'arrangerait. On verra s'il est sur un free access ou autre. Si le serveur où il est bien. Peut-être pour le rejoindre, on verra bien. On verra, on verra. Bref, on n'en est encore pas là. Je dis ça, c'est qu'une supposition, mais ça m'arrangerait de rejoindre le serve où je fais la queue là actuellement. Parce que c'est un serve organisé. Putain, je vais pas pouvoir passer, mon Dieu. Là, comment ça se fait? Je touche? Je touche ou je touche pas? Qu'est-ce qui se passe? Je peux atteindre celui-là, ça m'arrangerait parce que. Fais-moi avancer, merci. Ah, ça va mieux comme ça. Ouais, ça j'ai rien dit. Ça allait mieux pour 2 mètres. Mais d'un autre côté, ça fait chier parce que si j'arrive à rejoindre celui-ci, ce qui se passe, c'est que Chris et Maki ne seront pas avec moi. Donc, ça m'emmène. Faut que je trouve le juste milieu, je fais des tests, je suis en train de rejoindre 2-3 serveurs. Alors, pour l'instant, c'est comme je l'ai dit, c'est pour y jouer hors ligne. Hein. Mais si plus tard on vient en faire un petit peu, ça pourrait être sympathique.
pourrait être sympathique d'avoir les autres avec moi surtout. Putain, mais je suis encore pas arrivé, Maurice. Faut pas que je descende là en bas parce qu'il y a de la glace et on va rester pris violemment. Mais tu vois que c'est pas moi qui décide, hein. C'est le treuil qui fait le taf parce que là, moi, le camion il fait rien. J'essaie de passer en dessous de l'arbre, de toute façon, c'est ce qui va se passer parce que je ne peux pas faire autrement, je vais culbuter. Oh la vache, pourtant j'ai les bons pneus. Hein. Ok. Merci le treuil hein, pour le coup, hein, parce qu'il fait le taf. Hein. Il fait le boulot, le treuil. Je crois que j'arrive à me ressortir plus loin. Parce que là-bas, ça va être chaud. Putain, puis là, ça penche. Ça penche, ça penche. Il veut pas avancer un peu tout seul, cette vache-là. Hein. Ah si, là il a pris un peu des là. Je vais lâcher, c'est terminé. C'est un petit, ça c'est pas un gros. Ah putain. Ça va me dégager la route, c'est pas grave. Putain, j'ai pas un gros à l'horizon. Si. Ok, est-ce que tu vas vouloir bouger un tout petit peu ton cul tout seul? C'est bien beau les arbres, hein, mais les arbres ils font pas tout le boulot. Hein. Ah! Ils font pas tout le boulot, mais ils en font les. Mais putain, pardon. Ils font pas tout le boulot, mais ils en font les trois quarts quand même du boulot. Alors merci les arbres, c'est plutôt cool, je vois rien du tout parce que voilà, à chaque fois que je fais ça, il y a le poteau en ferraille là, alors à chaque fois ça me fait une vue depuis le dessus, une vue aérienne. Ah mais j'ai pris le chemin, j'aurais pas dû, ah, j'ai pas pensé mais j'ai pas les bons pneus, ça me revient seulement, je n'ai pas les bons pneus. Je n'ai pas les bons pneus, quel con! Ok, j'ai mordi un peu la route, mais pas trop, parce qu'autrement... Ah, quel con, j'ai oublié de mettre les autres! Tu me diras, j'aurais mis les autres, je serais pas passé pour aller chercher la cabane, donc... Ah, misère, et boule de chewing-gum. On va essayer de monter, on verra bien. Allez, vas-y, chais, avance pendant que tu peux. Tant qu'il s'arrête pas, faut y foutre. C'est un peu comme IRL ça. Quand t'as les pneus d'été sur de la neige ou sur de la glace. Tant que la bagnole ne s'arrête pas, il faut poursuivre. Une fois que t'arrêtes, t'es un peu dans la merde. Il faut y foutre, mais sans trop accélérer comme un bœuf. Parce que plus t'accélères, moins tu tiens la route. Bon, il était plutôt cool le camion avec nous. Il a bien voulu monter. On va repasser dans l'usine pour ressortir de l'autre côté. Mais celle-là, à mon avis... Alors, j'ai pas regardé toutes les missions, hein, puisqu'on est encore dans les tâches. Celle-là, à mon avis, il va falloir la remettre en route ou une connerie pareille. Parce qu'un gros pâté comme ça qui te fournit rien... Ça m'étonnerait. Bref, pour les prochains jours, je vais tâcher de tourner quelques vidéos en avance, messieurs, dames, puisque... Comme il fait beau, je vais semer le maïs et que après, je vais quand même sortir tout le matériel préparé pour les foins et tout le soin de soin. J'aurai peut-être à peine moins de temps. Donc, au cas où, parce que je dis ça, si ça se trouve, ce sera pas le cas. Hein. Mais au cas où, je vais tâcher de tourner au moins. Je vais essayer deux vidéos aujourd'hui, deux vidéos de plus. Donc, celle de demain sera du farming. Pour après-demain, j'ai prévu du power wash. Et après, on verra bien. Il y a le farm manager qu'il faudrait qu'il revienne un petit peu aussi. Donc on verra, c'est juste histoire de prendre un peu d'avance au cas où, et j'en profite parce que je suis tout seul aujourd'hui.
Juju est parti faire un barbecue avec ma fille chez sa famille. Et du coup, je vais en profiter d'être. Pas d'être tranquille, mais je vais en profiter d'être tout seul pour faire ce. Si je peux. Alors, on va s'arrêter malgré que c'est pas bien bon. Il faudrait que j'arrive à monter par là. Il n'y a pas de trou dans les cailloux là. Donc, il y a soit là, juste devant moi, où je tourne et je bifurque là. On va voir ça, ou soit plus loin. Ah, ben je peux pas ici. Il y a trop d'arbres. Je me demande si je peux pas monter qu'avec la grue. Mais si je monte qu'avec la grue, j'ai peur de pas pouvoir valider le truc. Et donc, du coup, ma moto au-dessus de la butte, on verra après. Et donc, du coup, il y a après la butte. Après les gros rochers, que je pourrais peut-être. Arrête-toi là, Roger. Ici, peut-être. Là, là, il faut monter. Putain, ça va être le bordel. Il n'y a pas de chemin, de toute façon, pour y aller. Il n'y a pas de chemin. Je me suis pas trop arrêté au bon endroit. J'ai fait le fifou, là, comme ça, mais... Ah, d'accord, puis il y a une butte, là. Oh, putain, magnifique. Propre. Je suis obligé de monter à charge. Putain, mais je suis pas au-dessus, hein. Attends. Oh là 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 là. Je vais essayer de monter à charge, à mon avis. Je crois que j'aille en chercher un deuxième. Doucement, doucement. Ouais, je peux pas monter là avec ma remorque. Y'a que Maquet qui arrive à monter dans des endroits pareils avec des remorques. Moi je peux pas. On va larguer quoi d'ailleurs? Le consommable. Ah bah magnifique, il va me rester le plus lourd. Magnifico ça. C'est très très bon ça. Hein. C'est bon pour le moral. Hein. J'ai déchargé Roger. Alors je ne suis pas mort. Mais tu peux pas prendre l'arbre qui est juste là? Alors attendez, parce que... Bon, maintenant que c'est déchargé, tant qu'à faire. Tu peux pas reculer? Ah merde, j'avance. Mais je suis un blé. Mais il va se remettre au même endroit, cet idiot-là, hein. Et ça devait arriver. Mais nique. Quand j'aurai fini de labourer, ça passait plutôt pas trop mal pourtant. Mais quand j'aurai fini de reveiller. Hein. Ah ouais, mais décidément, il ne veut pas, c'est mort. Est-ce que j'ai un espèce de plateau pour décharger ma remorque là-haut? Enfin, décharger, détacher ma remorque ici. Et par exemple, là, je me mets là. J'ai peur de ma connerie encore là. Là pourtant ça montait si bien. Je suis tellement deg. Ça montait bien. C'était avant, mais je suis dans le caillou. Là. Alors maintenant, pour plus de sécurité. C'est pas ta sécurité, on est en train de monter sur une montagne avec un camion. Elle est belle la sécurité. Non, ça ne va pas du tout aller, ça, Maurice. Faut rembrayer, monsieur, s'il te plaît. Bon, on va être obligé de monter jusqu'au-dessus avec la remorque puis de la détacher là-haut. C'est pas grave. Elle est belle la maison. Pique ta maison. Vas-y, décroche. Faut rester là, par contre, madame. Pas me faire le coup. Ok, bon, on va chercher le consommable.
Vous savez que ça, ça commence toujours par là, les fails, hein. Par des petits trucs et tout. Je me dis, tiens, je vais arranger la chose. Je vais décrocher ça là-haut. Je redescends avec mon camion après, no problemo. Et là, quand je recule pour aller chercher le consommable, je culbute. Et je rage quitte le jeu. Doucement quand même. Je veux bien que... Voilà, hein, mais... Faut pas monter Juju dans les orties. Alors, go. Bon, après on aura la cabane à revenir chercher. Bon, ce qu'on fera, c'est qu'on va reculer éclair mort. On va se remettre vers la route. Et on viendra le rechercher à vide. On va jouer les fifous. Putain, il est parti loin, le con, en plus, hein. Bon, c'est pas grave. Jusqu'à présent, c'est pas très grave. Jusqu'à présent... Hein. Ok, maintenant faut essayer de monter. Prendre l'élan. Là. Bon, ensuite. J'ai bientôt plus de gasoil avec ces conneries. C'est de votre faute, ça. Je vais pas avoir assez de gasoil pour tout faire, enfin, genre... faire face des planes. Vas-y, 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 on s'en fout, pose ça sur la remorque, on verra bien. Supprimer remorque. Mais bien sûr, il manquerait plus que ça. J'ai... En plus, je suis en train de lire, je me dis, mais fais pas le con, parce que... Je me connais. Ok. Ok, Johnny. Alors, empile. Empile ta sœur. Bon. Et de 1. Putain, elle fait chier la cabane du pêcheur. Hein. C'est pas la cabane du pêcheur, mais peu importe. Quelle connerie. Allez, go. On redescend. Je vais pas avoir assez de gasoil. Ben, tu vas falloir que je revienne avec le teuse. Avec le tadin. Taratin. Ok, bon. On redescend. Full camp. Là, il y a trop de forêt, je suis obligé de me dégager de là, hein, sinon jamais de la vie on y arrive. Tu sais que le frein à main il sert bien, hein, quand même, parce que le frein à main et le treuil servent bien. Parce que là, pour le coup, j'aurais pas le treuil, ce serait terminé. Ah, propre, ah, mais c'est Juju qui est arrivé. My bad pour la saunerie. Ok, je vais décrocher ça par là. Putain, il a décroché ça comme un cochon. Oh, il muse. Bon, on va essayer de rechercher la cabane. Enfin, le conteneur de fret, peu importe. De toute façon, je vais manquer de gasoil, peu importe ce que je fais. Je vais manquer de gasoil. Ok, on va essayer de ressortir. Mon Dieu. Allez, U. Twist and glue. C'est le conteneur de mort là qui me fait chier. Non, il passe à travers les arbres. En toute logique. On va essayer de rester du bas pour recharger. Parce que comme la grue va pencher du haut, ça peut être pas mal. On recharge ça comme on peut. Hein. On va pas trop... Tout à l'heure on était à plat, donc on a essayé de s'appliquer un peu, là, pas d'application. Mais faut quand même qu'elle tienne. Hein.
Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Merci. Alors je ne me parlais pas à moi-même, c'est juste que la grue... voulait pas faire ce que je lui demandais. C'est pas très pratique. Ok, maintenant. De toute façon, je vais la ressortir, la grue. Parce que pour reprendre cette cochonnerie qui s'est enfoncée dans le sol, je vais avoir besoin de ma grue. Et heureusement qu'elles sont là, les grues, je vous le dis. Parce que comment ce serait la Moria. Alors si je décroche celle-là, ça a l'air d'aller. Attelle, réinitialise et empile. Maintenant, faut ressortir. This is a problem. C'est bien beau de rentrer là-dedans, mais pour sortir. Sans culbuter. Et ça, j'achète. Là, presque. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter les roupettes. Ah! Upsa, Justine. Ok, nice. C'est encore la Moria ici, quoi, parce qu'il faut encore remonter une butte. Donc je dirais là, et après on monte là. C'est peut-être des conneries, hein. On verra bien. On monte, hop, et hop. On monte. On monte, on n'ira pas jusque là. C'est là au-dessus. Mais quelle idiotie! Quel est le con qui a fait des maisons ici? Qu'est-ce qu'on livre? Au chalet de chasse d'hiver. Putain. Putain con, justement. Vas-y, Abdoul. Allez, mon gros. Je sais que je t'en ai déjà énormément demandé depuis que je t'ai, mais il faut poursuivre. N'empêche, je me suis fait chier quand même à racheter le Voron. Le Voron grade, là, celui que j'avais depuis deux lives, je crois. Il n'y a rien à faire. Hein. Quand je suis attaché à un camion, je vais prendre le camion. Hein. C'est-à-dire que j'ai beau aimer... J'aime bien le Voron, il est bien sympa. J'aime bien le Azov, il est bien cool aussi. Il n'y a rien à faire. Le Taiga est dans ma tête, il faut que je reprenne le Taiga. Hein. C'est plus fort que moi. Putain, mais jamais de la vie, on va monter là-haut. Vas-y, prends un raccourci. Ça monte. Ça passe. Ça passe pas, ça passe. Et c'est là que tu dis que les petites remorques étaient quand même bien cool. J'aurais peut-être pas dû passer par là. Hein. J'aurais peut-être dû passer par le bas, mais je suis pas sûr que c'était mieux, donc... Je suis pris. Hein. Je suis pris... Moi, jamais j'arrive là-haut. Cela. Là, c'est la merde. Il fait nuit. Là, il fait plus nuit. Est-ce que je suis trop loin pour choper l'autre là-haut? Non, je suis pas trop loin. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai pas pris le bon. On est à combien de temps de vidéo? Putain, on est déjà à 38 minutes. Ben Dieu, ça passe tellement vite. Jamais j'arrive là-haut, c'est pas possible s'il faut que je me treuille tout le long. Comment je fais? 100 litres dans le réservoir. Y'a pas un peu plus de cailloux ici que ça morde un peu mieux? Si. Si. Ah. Upsa. Allez, monte! Fais-moi voir ce que t'as dans le ventre. C'est presque ça. Ah, je sais pas si je serais passé par l'autre côté quand même, parce que c'est chaud. Ok, la cabane, elle est là. La cabane de malheur. Le petit journal de manège. C'est pas le journal déjà. Petit cheval de manège. Ok. Nick. Paf. Un moment.
Ah, c'est juste là, hein. Faudrait que je trouve un moyen de descendre là, ça m'arrangerait, hein, Dieu. 82 litres. Oh, il va me manquer 50 litres, quoi, pour tout faire. Si j'avais pas culbuté, vain Dieu. Bah là, on va retomber dans la poudreuse, ça va être... du grand Mendes. Ah, putain. À la remorque de Seymour. C'est du très grand Mendes. Attendez. Attaquez. Au lieu. Elle est là, la petite cabane dans la prairie, là. Elle est pas dans la prairie. Ça se couche, hein. Oui, on est d'accord. Eh ben, on était que nous, d'accord. Apparemment, le sapin n'était pas trop de mon avis. Ça aurait pu être sympa, hein, mais il n'était pas de mon avis du tout. Mais passe donc. On recommence. Mais non, Zinedine. Tire encore. Tourne. Il veut pas tourner, le con. Alors pas trop, parce qu'après on va se retrouver pris. Là. Upsa. Ouais, mais... This is the problem. This is the tout problème. Non. Est-ce que t'es assez grande? Non mais descends pas. T'es pas assez grande. Coquine. J'ai pas envie de descendre. Attendez. Putain. Ça y est, ben je suis dedans. Voilà, voilà, c'est bon, t'as assez grande grue quand même là. Putain. Con. Puis descends encore ce con là. C'est quoi de ce frein à main? Moi qui disais qu'on avait un bon frein à main, j'ai eu tort. Ah, attendez. Attaquez. Attendez. Non, même pas. Mon cul, putain, j'ai cru que ça avait planté. J'ai cru. J'ai cru l'uberlu. Bon. Ça, c'est de la bonne grosse cabane, bien solide. Alors... Tu veux mettre une cabane comme ça? Ah, s'il y a des carreaux, j'ai eu peur. J'étais en train de me dire, tu veux mettre une cabane comme ça, mais pas de carreaux dans ta cabane. Oh là, oh là. Je ne vois pas ce qui se passe devant, mais à mon avis, ça doit pas être beau. Mais tourne! Tu vas la tourner, ta chiasse? Tu vas la chier, ta chiasse? Alors, est-ce qu'on peut peut-être... Ça va pas aller ici. Putain, mais elle a du courage. Ok, maintenant, marcharie. Marcharie toute. Je vois rien. Ah, ou. C'est du bon treuillot. C'est même du très très bon treuillot. Maintenant, un chemin. Et je me tire. Alors culbute pas, ça m'arrangerait. Et j'ai 50 litres et il va me manquer 3 poils de trou du cul pour arriver au bout. Et la cabane du pêcheur. Du pêcheur. La cabane du pêcheur, elle est encore au-dessus d'une putain de butte. Ah. Ah ouais. Mais j'y vais comment? Parce que là... Là, faudrait descendre là. Je me rappelle, j'y suis allé une fois avec le taratin, mais... le taratin. Mais c'était pas facile. On va déjà ressortir de là-dedans. Bah, à mon avis, on fera pas ça aujourd'hui, messieurs, dames. Enfin, on finira pas la mission aujourd'hui. On la finira la prochaine fois, mais ça va être chaud à y aller. Parce que je sais que d'un côté, ça passe. De l'autre côté... Alors, de l'autre côté des... Merde, comment ça s'appelle? Des ponts, ça passe. Il y a un endroit où tu peux passer, un ou deux endroits, je crois. Par contre, de ce côté-là, c'est foutu. Que dernier coup j'étais resté pendu avec le taratin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde s'excite? Reste concentré. Viens là, Malaika. Litres, c'est la boréa.
Allez, faut avancer, monsieur. Putain, on va se retrouver sur de la glace, ça va être marrant. Après, il va falloir remonter la butte. Ok, bon. Ah, faut atteindre l'île, là-bas. Mais pour atteindre l'île... Pour atteindre l'île, il faut que je passe de l'autre côté. Là, j'étais passé là avec l'auteuse, sous le pont avec l'auteuse. Le problème, c'est que là, j'ai plus de largeur. Hein. Heureux. Alors, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ah oui, je suis toujours sur l'histoire de la liste. Hein. Vous l'aurez compris. Si vous avez jamais vu un troupeau de... pas de chien, parce que ce serait mal poli. Pour un rien, je vous montrerai le truc, c'est que ce serait pas cool envers le streamer, parce que ça se fait pas. Mais j'ai jamais vu un troupeau de toutous. C'est marrant à voir, je vous le dis. Très marrant. Je sais pas, le machin il est plein. Il y en a un qui s'est mis à écrire whitelist. Alors là, il y a eu une brouette de 30 personnes qui se sont mis à écrire whitelist derrière. Des toutous avec un nonos, quoi. Ok, j'ai 20 litres, j'arriverai pas là-haut. Hein. Il va me manquer. On peut pas pisser dans le réservoir. Juste faire pipi dans le réservoir, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'endroit où on monte. Enfin, l'idée, c'est de faire un tout droit et on voit après. Ah, Upsa, Justine. Nine. Ah, merci. Tu es d'une gentillesse, mon brave. D'une gentillesse. Mon petit treuil, malheureusement. Le voyage s'arrête ici. La tribu réunifiée a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Putain, je tousse! Aide-moi, toi! Fais quelque chose! Ah, c'est terminé, Maurice. J'arriverai pas au-dessus. Et je tousse! Ça irait mieux avec du gasoil, quand même. On va essayer de treuiller, histoire de faire jojo, mais... Putain, puis c'est un petit que j'ai... Mais Nick, c'est encore un petit. Bon, c'est bon, je vais caler, j'ai 3 litres. Aide-le un petit peu, au moins qu'on rentre dans le bouet. Et c'est terminé, Roger. Et nous sommes à, allez, 50 mètres. Milliard de Dieu. C'est terminé, ben, c'est là-dessus qu'on s'arrête, messieurs, dames, aujourd'hui. Ah, putain. Putain, Kong, la panne d'essence, putain! Eh ben voilà, c'est bon. Bon, eh ben c'est là-dessus qu'on s'arrête, messieurs. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve demain soir pour la suite de Snow. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne journée, une bonne soirée. Si vous regardez la vidéo en soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!